un moment dans l'histoire monde là côté bon Dieu a cherché jeune ambassadeur, c'est aujourd'hui. Si gagne une époque, c'est que nous avons besoin de jeunes qui pour défendre ça bon et combattre l'immoralité, c'est aujourd'hui. C'est peut-être ça. Depuis aujourd'hui, même jeune ambassadeur de Jérusalem, sorti 16 ou 21 l'année, il prend détermination pour nous aller tout partout. Faire jeunes qui connaissent Jésus et Mayo. Mais pour le sauver, il faut que tu suspendes ça. Année passée, nous sommes belles. Année sans encore, nous tenons pour pire avec un méga programme La Voix des Ambassadeurs. Programme sa fête, sorti 12 pour arriver 26 juin 2021, sous thème pour proclamer le message du Christ. J'irai un message d'amour, de réconciliation, de foi, de pardon et de salut. C'est un programme tête ensemble, c'est vrai, mais c'est un engagement personnel. Ou t'as voulu participer avec nous? Eh bien, branchez et puis partagez-le. Cet après-midi, sorti 5h30 de 7h, tapez MEODA sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Pas quitter mon bindio. Depuis 5h30, fait bang, mettez online et profitez de chaque minute spéciale dans le programme. Chers frères et sœurs, chers internautes, amis de partout, chers ambassadeurs, bonjour, bonsoir. Chers internautes, chers frères et sœurs, amis de partout, chers ambassadeurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous tous en ce soir. Que la paix et la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous en ce soir. Oui, nous allons proclamer la bonne nouvelle. Et nous terrons soir après soir par des conférenciers qui t'a proclamé l'évangile de grâce là, qui t'a proclamé la bonne nouvelle. Et en ce soir, nous avons continué sous même lancer ça. Côté nous voulons continuer proclamer la bonne nouvelle. Nous t'avons un thème tout à fait élargi durant soir après soir. C'est proclamer le message de Jésus. J'irai. Et en ce soir, nous avons un message palpitant d'intérêt que Dieu gagne à intention nous. Et message à Soya gagne pour titre la vie, la mort, la résurrection de Jésus proclamée. Quel est le titre du message de ce soir, chers internautes, amis visiteurs, amis de partout, chers ambassadeurs? C'est la vie, la mort, la résurrection de Jésus proclamée. Mais juste avant d'entrer en profondeur dans le message que le Seigneur a pour nous en ce soir, je vous prie de m'aider à entonner le numéro 131 qui se trouve incarcéré dans nos livrets de chant à la page 131, rends-toi maître de nos âmes. Thank you.
tête baissée. Notre Dieu, notre Père, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Nous voici en ce soir encore une fois de plus pour proclamer la bonne nouvelle. Nous sommes des pécheurs. Nous savons sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, Père des cieux, avant de proclamer ton message, que ton Saint-Esprit nous embrasse, que ta toute puissance vient à notre disposition et que en retour, les amis internautes, les amis de partout, les ambassadeurs, nous capables de transformer pour ton grand retour en gloire. Accepte notre prière. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Oui, chers frères et sœurs, amis de partout, amis internautes, nous dit que message nous en pour ce soir, ligue pour titre, la vie, la mort, la résurrection de Jésus proclamée. Et nous trouvons texte de base, nous, non, Jean 3, verset 16. Mais juste avant, de commencer le message, nous t'aimons nous proclamer parole ça sous la vie nous. Fais comme si c'est nous-mêmes qui avons dit, c'est notre profondeur que nous sortis. Nous pas le répéter après. Et nous t'aimons nous taper en bas live ça, parole ça. Et connaît parole là qui en pile puissance. Même si c'est pas où dit, même si c'est pas dans où sorti, mais là on proclame avec voix, li gen en pile effet capable faire. C'est peut-être ça m'a invité nous à soya, chers amis internautes, chers ambassadeurs, chers frères et sœurs, pour nous proclamer, pour nous dire parole ça avec. Jésus-Christ annonce. Jésus-Christ vit. Jésus-Christ mort. Jésus-Christ ressuscité. Il est monté au ciel et il revient bientôt. Comment parole l'a dit? Lui dit, n'a tapé en bas live là. Jésus-Christ annonce. Jésus-Christ vit. Jésus-Christ mort. Jésus-Christ ressuscité. Il est monté au ciel et il revient bientôt. Nous avons vu plusieurs soirs durant ces deux semaines la proclamation de Jésus-Christ. Et soir après soir, par des conférenciers, nous te voyons avec pasteur, nous te voyons avec prédicateur Endel, appel à une grande destinée. Et après, nous te voyons, nous l'autre soir pareil, avec prédicatrice Rosemaline Joseph, la création proclamée. Après, nous te voyons le salut proclamé. Et avec le prédicateur Sidney Wesley, nous te voyons la parole proclamée. Et en ce soir, nous avons la possibilité de voir un autre message palpitant d'intérêt. C'est bien la vie, la mort, la résurrection de Jésus proclamée. Jésus annonce ce premier élément dans le message là, nous parlons. Qui ça Jésus annoncé? Comment Jésus t'est venu? Ça Jésus t'est déjà annoncé, chers frères et sœurs, amis internautes. Il te gétan prophétisé par des prophètes. Ou la te gétan aplani par des prophètes qui te annoncé Jésus gen pour venir. Nous te wè ça dans l'Ancien Testament. Et nous wè que c'est pas un bagage qui absurde. Bon Dieu connaît l'avenir. Bon Dieu connaît tout bagage. Bon Dieu, qu'on la vie nous entière. Bon Dieu, qu'on tout être nous. Parce que c'est lui-même qui est le créateur. M'a dit nous yon bagay zanmim aswaya. Kap suiv programme là,
partout dans le monde. Moi, je voulais nous mettre ça dans la tête. Nous pas de peur. Nous pas de crainte. Ça qui a passé dans le monde la journée aujourd'hui. Parce que Jésus a une situation. Il a une situation la vie. Il a un contrôle situation la vie. Jésus a un contrôle le monde là. Parce que avant toute bagaille était créée, Jésus était dans là. Parce que il est celui qui suit le commencement et la fin. La naissance de Jésus, il était déjà annoncé comme moi se dit nous, par des prophètes. En passant, nous te voyons hier dans l'Ancien Testament, côté que par prédicateur Isli, côté que dans l'Ancien Testament, bon Dieu t'a annoncé comment petit li gen pou vinn fè l'homme parmi les pécheurs pour être capable sauver nous, ban nous la vie qui pa jamais finir. Et nous voyons que dans toujours dans l'Ancien Testament, côté que Moïse te prédit, côté que Jésus t'a pral suscité dans milieu peuple Israël là, yo prophète, suscité veut dire faire naître, vini parmi nous et nous pral oué pendant que n'ap li avec moi dans Deutéronome chapitre 18 le verset 18. N'ap li ensemble. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et notre texte ça nous voit que côté bon Dieu te parler avec Moïse. Côté il te dit que la suscité l'a fait paraître non mitant peuple bon Dieu a, le fils du Dieu vivant qui est Jésus-Christ. Et là nous garder dans Ésaïe aussi nous voit Ésaïe très prédit la naissance du Messie Jésus-Christ. Et là nous garder dans Ésaïe chapitre 7 soit le verset 14, il dit comme ça: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Notre texte, nous voyons bien que bon Dieu t'a prédit à Ésaïe par servant lui en parlant de Marie. Côté que par une incarnation du Saint-Esprit, côté que Jésus t'apprend, côté que Marie t'apprend enfanter Jésus comme Messie, et yo t'apprend le ballon Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Et Ancien Testament t'est même prédit la naissance de Jésus dans Michée 5, soit le verset 1er, en lit ensemble. Maintenant, filles de troupes, rassemble des troupes. On nous assiège avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Et si nous lisons dans Ésaïe 40, le verset 3, nous prenons même et Jean-Baptiste était un précurseur du Messie, à savoir Jean-Baptiste, qui t'a pral annoncé parmi les hommes le retour et t'a pral annoncé le Messie qui vient pour venir. Là nous garder texte a dit nous méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné,
nous n'avons fait de lui aucun cas. Oui, Jésus t'a pral vini, il t'a pral humilié, il t'a pral craché dans figuil, il t'a pral battre lui. Tout ça, c'est pour moi, avec ou qu'à suivre moi là. Et nous pas fait rien pour ça. Il t'est humilié. Il t'est maltraité. Il t'est battu. Il t'est craché dans figuil. Il t'est balbré vinaigre pour de l'eau. Tout ça, c'était pour moi avec ou. Il t'est metté une couronne piquant sous tête lui. Il t'est humilié. Il t'est metté une croix sous dol. Tout ça, c'est pour moi avec lui. Et il n'a pas fait aucun péché pour te mériter. Bagay sa yo. Dans le texte, ça, et là nous regardons dans Esaïe 53, verset 3. Il te dit nous comment le monde t'a pral accueilli Jésus. Jésus qui t'a pral vini, il t'a pral maltraité, humilié, crucifié. On regarde dans Esaïe chapitre 53, soit le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Moi, relis texte ça, yon façon pour mettre yon emphase sous lui. Pour nous pas prendre comme yon septexte pour nous lire comme ça, mais pour nous mettre accent, pour nous accentuer sous chaque mot qui sorti là. Yon te humilié, bat li, tout ça. C'est pour moi avoir. Il pas mérité ça. Dans le texte, nous apprenons comment naissance Jésus. La mort de Jésus. Toute bagaille t'est déjà annoncé. Ancien Testament t'est annoncé toute bagaille ça yo. Nous parlons tout ça. Qui pral rivi. Et hier, dans le message, la parole proclamée, nous avons vu dans le Nouveau Testament, révèle le Sauveur en la personne de Jésus-Christ. Et deuxième élément, message pour Aswea, la naissance, la vie de Jésus. Là, nous lisons dans Jean 3, verset 16. Il dit comme ça, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bon Dieu te voué seul petit en Jésus-Christ, vine humilié, vine méprisé, pour nous être capable de gagner la vie qui ne peut jamais finir. Et tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, qui fait volonté, à soi même qui t'aime dit, nous déjà fait partie des sauvés. Tout ça qui t'est annoncé dans l'Ancien Testament, pour adjoindre l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Comme nous sommes dans Michée 5, verset 1er, livre Matthieu a donné naissance à Jésus. Et là, nous lisons dans Matthieu 2, verset 4 à 6. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Notez ça, nous voyons que Jésus n'est pas des prophètes, il était annoncé, il a gagné pour une fête à Bethléem, en Juda. Et, quand elle était faite là,
c'est un côté qui était vraiment méprisé. C'est un côté qui était vraiment pas dans bon état. Parce que il y a un pile qui dit il était fait dans pas bête. Mais il était abaissé, fait tout petit. Il pas fait dans un château, il pas fait dans un royaume côté prince a régné, mais il dit il fait dans un pas bête côté que li abaissel li humiliel parce que tout ça ou te gantan annoncé Jésus gen pou le fait pour vin naître parmi les pécheurs juste pour capable ba nous la vie qui pa jamais finir. Jésus est venu pour vivre parmi nous pour sauver nous parce que nous te péché nous te bon pour nous perdre. La consa nous pas doit à vivre toujours parce que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Jésus-Christ c'est la vie éternelle. Oui, il t'est venu faire homme parmi nous pour être capable ba nous la vie qui pas jamais finir. Emmanuel signifie Dieu est avec nous, comme je viens de vous le dire. Jésus vient habiter dans mitan nous. Li vivent à nous, li manger à nous. Là n'a gardé. Nous voit que Jésus t'est venu vivre parmi nous. Li sorti en haut beaucoup de papa li. C'est pas bien le pas bien côté il était. D'ailleurs, il était beaucoup de papa li. C'est lui-même qui c'est égal papa li. Nous t'es capable dit, lui c'est deuxième personnage central. Après, c'était le Saint-Esprit. Yon bon Dieu en trois personnes. Lui t'es beaucoup de papa, lui t'a vive heureux. Mais il pas de voulait nous perdre après désobéissance premier parent nous. Après péché, t'es fin faire apparition dans monde là comme nous t'es ouais avec prédicatrice Rosemaline. Côté péché a te prend naissance, l'origine du péché. Le péché te prend naissance dans le cœur de Lucifer et précipité en Satan. Et depuis lors, nos premiers parents, à savoir Adam et Ève, ils ont vu pécher en mangeant le fruit de l'âme, de la connaissance du bien et du mal. Et depuis lors, le péché te prend naissance dans le monde, mais bon Dieu, pas de vle nous périr. Li voye sel petit li Jésus vin régner parmi nous, vin vivre parmi nous, fè l'homme pour te kabane la vie qui pas jamais fini. N'est-ce pas une grâce, chers frères et sœurs? Oui, bon Dieu remet nous. Bon Dieu remet nous. Qui t'aime dire, cher ami internaute, bon Dieu gen un plan pour vous ce soir. Bon Dieu gen un bagay li formé dans la vie ou. Yo met di ou pas jamais rien dans la vie ou. Qui t'aime dire en ce soir, bon Dieu, capable de prendre de la poussière, il retue le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Oui, chers frères et sœurs, bon Dieu nous en grand, les fidèles, les réels, et c'est pour ça, il t'est venu faire naître parmi nous, comme un homme, parmi tout le monde, pour être capable de venir nous la vie qui n'a jamais fini. N'est-ce pas une grâce, chers frères et sœurs? Oui, c'est une grâce tout à fait particulière que nous pas mérité. Nous pas mérité grâce si là. Là comme ça, nous t'es bon pour nous perdre. Nous t'es bon pour zone nous pas rété pour nous tourner poussière. Mais si n'a vive chaque jour dans un pays si difficile tant qu'au Haïti. La guerre partout. Moun yo pas veulent faire la paix. Ces âmes que on prend gain de côté, c'est non droit. Mais bon Dieu, Jésus, vle fè konnen a souya. Li te vin nan mond lan, c'est pour te mettre la paix nan mitan nou. Pour te capable ba nou la vie, pour te capable sauver nous. M vle nou mettre ça nan tête nou a souya. Jésus te vini pour te ba nou la vie qui pa chanvi. Et Jésus a vécu une vie sans péché. Là nous garder dans 1 Pierre chapitre 2 soit le verset 22.
lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Oui, dans le texte, ça, nous voyons que bon Dieu, pas de commettre aucun péché. Bon Dieu, pas de jamais péché pendant que tu es sous terre là, même une seule fois. C'est lui-même qui t'a fait ça. Parce que il est 100% homme. Et il était 100% homme et 100% Dieu. Oui, il était 100% homme, 100% Dieu. Comme yo dit souvent. Mais il était homme parmi nous. Il y a moun qui dit que il y a moun kap écrit, kap viré Bible, kap dit Jésus. C'est un homme parmi tout le monde. Il pas un bon Dieu vraiment. Il son moun menja à tout le monde. Yo même viré Bible, yo viré écrit yo, yo dit que Jésus c'est un saint homme, il n'est pas Dieu. Mais Bible montre-nous que bon Dieu Jésus non seulement il était venu habiter parmi nous comme un homme, mais il était un Dieu aussi. La vie de Jésus était notre modèle. Laisse nous garder dans Philippiens 2 verset 5. N'après que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans Philippiens 2, verset 5, vous faites connaître que pendant que nous vivons sous terre, nous devons avoir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Faut vivre nous prouver que Jésus a vivre dans nous-mêmes. Façon que nous habillé. Façon que nous comportons, façon que nous parlons, for you were à travers nous, que sentiment qui était dans Jésus, il est dans nous-mêmes. Il était notre soutien, un puissant soutien. Et nous jouons ça dans Luc 1er, verset 68 à 70. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Oui, bon Dieu, Jésus t'est venu comme un soutien pour nous. Il est notre puissant soutien. Et il est notre ami, les nous garder dans Jean 15, verset 15 et Jean 15, verset 13, en nous liant ensemble. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Wow, parole sa belle. Bon Dieu vient arriver dans un stade. Il dit il parle nous serviteur encore, mais il rele nous amis. Il fait amis nous, il vient habiter par nous, parmi nous, et il fait nous amis. N'est-ce pas une grâce, chers frères et sœurs, amis internautes? Amen. Bon Dieu rele nous amis nous. Yon grâce, yon privilège que nous pas mérité. Jésus menait une vie de prière. Les nous garder dans Matthieu chapitre 14 verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Oui. Jésus t'a mené une vie de prière. Souvent, il était qu'on a prié. Jésus, l'a t'a trouvé avec disciples. Souvent, il était qu'on a prié. Et il était formé disciples. Pour dire que nous devons mener une vie de prière. Parce que parole l'a dit, plus de prière, plus de puissance.
peu de prière, peu de puissance. Et Asweya, chers amis internautes, chers frères et sœurs, chers ambassadeurs, moi invitez-nous, menez une vie de prière comme Jésus a mené une vie de prière. Et là nous garder, nous voyons Jésus t'es qu'on fait un pile miracle. Un pile miracle. Là nous garder non Matthieu chapitre 9, soit le verset 20 à 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Nous, ouais, Jésus, t'es qu'on fait un pile miracle. Jésus, t'es, pendant que t'as parcouru le chemin, nous, ouais, dans le texte, une femme qui t'a gagné une perte de sang depuis 12 ans. Nous sommes capables d'imaginer, nous, mesdames, là que nous avons une période, nous, 4 jours seulement, période nous fait sous nous, nous sentons mal à l'aise, nous sentons dérangés, nous sentons pas confortables. Alors que, une femme qui a 12 ans, a yon perte de sang. Nan bon langage créole la, yon sang kap koule sou li sans rete. Yon sang kap koule sou li sans rete. Et pendant que Jésus t'a passé, pendant que il t'a fin opéré des miracles, nous t'a pral wè que par la foi, femme perte de sang ça, seulement toucher le bord de ses vêtements et à l'instant même, passage la dit nous, texte la dit nous. Femme ça t'est guéri. Amen. Et là n'a regardé dans Matthieu chapitre 9 là, verset 35. Li ba nou yon l'autre miracle que Jésus t'a fait. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. C'est pas seulement femme perte de sang, Jésus t'a guéri. Li te guéri en pile moun comme Batimé mendiant. Li te guéri yon homme qui te gen yon lèp sou li. Li te guéri en pile moun sans nous pas vle citer. Jésus était le guérisseur par excellence, chers frères et sœurs. Jésus te mené non seulement yon vie de prière, li te mené yon vie côté que l'ta marché guéri. Li te mené yon vie côté que l'ta marché opéré des miracles. Et il te même chassé des démons. Jésus te kon fait un pile miracle. Parce que non seulement li te yon homme, mais li c'était yon Dieu en même temps. Et troisième élément message nous, c'est mort et résurrection de Jésus. Mort et résurrection de Jésus. Jésus te souffrit depuis dans jardin Gethsémani. Non, les nous garder dans Matthieu 26 verset 36 à 38. N'après côté que Jésus te souffri depuis dans jardin Gethsémani. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort,
Restez ici et veillez avec moi. Oui. Les que Jésus, l'en moi, Jésus, et ça que prophète y a été annoncé, non seulement Jésus gagne pour le vin parmi nous, li gagne pour le vin vivre avec nous, non seulement li naissance li gagne pour le vin né avec parmi nous, et en plus, li te gagne pour le vin mourir, ressusciter, parce que c'était mission. Nous voyons que dans moment ça, pendant que Jésus t'a dit disciples, veillez parce que l'heure presque arrivé. L'heure est presque arrivé. Et disciples pas de cas comprendre. Disciples pas de cas comprendre. Tout les annoncé retour, les annoncé apparition Messie ça pour eux-mêmes, yo connaît Jésus t'a pral habiter dans un royaume comme un prince. Il t'a pral venir comme un prince pour habiter parmi eux et dans eux-mêmes tant que Pierre. Lui-même il connaît il t'a à droite. Il t'a à droite Jésus-Christ parce que il te connaît Jésus t'a gagné pour venir comme un prince seulement pour te venir jouir toutes les estimes de cette terre. Mais il t'a mal compris, c'est plus tard il t'a pral comprendre que mission Jésus a, c'était pour le vin fel naître parmi nous, pour le te capable sauver nous du péché et ba nous la vie qui pas jamais finir. Et le Jésus te passé dans dernier moment souffrance li, côté que les bourreaux romains t'a pral vini pour que yo te capable pour te capable crucifier Jésus pour te ramener. Et à ce moment Jésus et Pierre t'a dit Jésus bagage ça pas fait tout autant que m'là, tout autant que m'là bagage ça pas doit produire. Et Jésus t'est même et Pierre t'est même campé pour le dire Jésus même dans dernier soupir m'a là pour me défendre. Oui, il te font acte mais le pote qu'on comprendre bagage là c'est Pierre qui t'est coupé oreille Marcus. Oui, il te défend Jésus, mais Jésus, c'est pas pour ça qu'il est venu. Jésus, t'es recollé les oreilles là. Jésus, t'es voué l'aller. Malgré ça, et c'est à ce moment que Judas t'a pris le vendre Jésus. Dans le jardin Gethsemane, Jésus t'est arrêté par les bourreaux romains. Et il t'a pris le ramener pour être capable de faire subir des choses qu'il pas mérité. Pour être capable de faire subir de bagailles qui étaient déjà prédit. Tout ça, c'est pour être capable de sauver nous-mêmes pécheurs. Moi-même pécheur ou même pécheur pour être capable de nous la vie qui pas jamais finir. Sur chemin calvaire là, Jésus t'a gagné une croix sous lui, sous dos lui. Il t'a souffri amèrement. Li pa jwenn de moun ki pou te edel. Li ta soufri nan nom li. Yo te maltretel. Bat li au cou de la route. Tout ça, c'est pour moi avec ou. Li pa mérite tout ça. Li pa mérite toute violence sa yo. Mais c'est pour moi avec ou. Yo te maltretel. Humiliel. Crucifiel. Bat li. Tout ça, c'est pour moi avec ou. Cher ami internaute. Chers ambassadeurs, chers frères et sœurs, Jésus a payé le prix. Il nous a sauvés. Il nous a rachetés dans les mains du diable. Et il nous a donné la vie pour ceux qui croient en lui. Amen. Et les n'a gardé sur le calvaire. Il t'a pral crucifié Jésus. Les nous lit. Non. Matthieu 27, verset 33, 34, nous pralouè, Jean yote crucifié Jésus-Christ. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire.
dans lieu ça Jésus t'est venu soif pour gens t'a maltraité parce que il était en croix sous dol. Pendant que croix sous dol, yo t'a maltraité, yo t'a battu, il t'est venu soif. Qui ça y offrir? Il mandé de l'eau, qui ça y offrir? Yo bal, yo de l'eau qui mêlé avec vinaigre qui te gagne un goût fiel bête. L'elle goûter de l'eau ça, li jeter li pas brel. Yo maltraité Jésus, les bourreaux romains, yo sacrifié Jésus, yo sacrifié Jésus, yo maltraité Jésus. Tout ça c'est pour moi avec vous. Yo fait tout bagay ça, yo humilié, yo battu. Tout ça li pas mérité, mais c'est pour être capable sauver nous parce que nous t'es fin perdu. Nous pas gain espoir, mais Jésus vient ba nous espoir. Nous pas gain espérance, mais Jésus vient ba nous espérance. Il est mort pour nous sur la croix. Jésus t'a pral bay dernier souffle, et c'est à ce moment que on pral dit Jésus pleura. Là nous lit dans Matthieu 27 soit le verset 50. Nous pral wè comme côté Jésus te prend la molle. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Hélas, et c'est à ce moment que la mission de Jésus t'a pral accompli. Côté que li sous la croix avant que le mourit, li poussé dernier cri. Après il dit, il criait de l'eau saute dans les yeux. T'es à trembler. La voile du temple t'est déchirée. Et nous t'es sauvés pour le temps et l'éternité. Jésus pleura. Jésus est mort pour nous. Jésus mourit pour moi. Pour vous. Et nous n'avons fait aucun cas. Nous pas considérer ça. Au lieu pour nous considérer une telle grâce. Au contraire, nous sèmer la haine, nous sèmer la méchanceté, nous sèmer la guerre dans le monde au lieu pour nous vivre entre frères avec sœurs. Au contraire, nous nous chirépit. Au contraire, nous diviser. Au contraire, n'a tiré frère axe nous. Au contraire, nous pas voulez faire la paix. Nous pourquoi jamais comprendre mission Christ là. Jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais comprendre mission Christ là. Et c'est pour cela, durant ces deux semaines, la voix des ambassadeurs patronnés programme ça pour proclamer Jésus-Christ, pour proclamer le message du Christ, pour nous connaître que Jésus est venu pour sauver nous, pour nous la vie qui ne peut jamais finir. Amen. Oui. Jésus est venu parmi nous pour être capable à nous la vie qui ne peut jamais finir. N'est-ce pas une grâce, chers frères et sœurs? N'est-ce pas une grâce, amis internautes? Je voulais nous écrire en bas live là, à soir. Si ma vie, c'est parce que Jésus sauve. Je voulais nous écrire en bas live là. Si mon corps en vie, c'est pas sacrifice Jésus-Christ. Si mon corps en vie, c'est parce que Jésus l'a sauvé. Écris ça en bas live là, à soir. Amis internautes, amis des zones, amis de partout. Si ma vie, c'est parce que Jésus sauvé. Et après la mort de Jésus, Jésus t'apprend ressuscité la résurrection du Christ. Laisse nous garder dans Luc chapitre 24, soit le verset 1er à verset 3. On nous lit ensemble. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Oui, ça t'est annoncé. Que après la mort de Jésus,
Satan prend une dernière calotte. Il pense que il remporte la victoire après la mort de Jésus qui t'aime dit nous, chers amis internautes, amis de partout, Jésus t'est ressuscité et nous t'est remporté la victoire. Et si nous la vivons d'une aujourd'hui, si nous avons espérance de la vie éternelle, c'est parce que Jésus t'est mouru, il est ressuscité. Et désormais, moun qui croit dans lui, capable de gagner la vie qui pas jamais finir. Amen. Oui, bon Dieu, t'es sacrifié. Il t'est fait de lui-même un agneau immolé juste pour être capable de nous la vie qui pas jamais finir. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est le moment d'accepter Jésus ressuscité. Acceptons ce Jésus merveilleux. Acceptons ce Jésus qui nous a donné la vie qui pas jamais finir. Oh chers frères et sœurs, amis internautes, moi voulais nous connaître ça à soi dans tête nous. Jésus, la vie, la mort, la résurrection de Jésus proclamée. Et désormais, nous sommes sauvés. Si nous vivons, ce n'est pas nous-mêmes qui vivons, mais c'est Jésus qui vit dans nous-mêmes. N'est-ce pas une grâce, chers frères et sœurs? Je suis content pour me dire, nous, soyez amis internautes, amis de partout. Si nous vivons, ce n'est pas la grâce de Dieu. Et je veux nous mettre ça en tête, nous. Faire le vide dans nous-mêmes pour nous accepter Jésus. Parce que, il n'est pas fait. Sacrifice n'est pas en vain. Et il vient pour te sauver nous, pour nous la vie qui va bien venir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Si il y a un moment dans l'histoire monde, côté bon Dieu a cherché jeune ambassadeur, c'est aujourd'hui. Si il y a une époque, c'est ce que nous avons besoin de jeunes qui pour défendre ça bon et combattre l'immoralité, c'est aujourd'hui. C'est peut-être ça. Depuis jeudi, même jeune ambassade de Jérusalem, soit 16 ou 21 l'année, toute notre détermination pour nous aller tout partout. Faire jeune connaître Jésus le meilleur, mais pour le sauver, pas que 6 tonnes de sac. Année passée, nous avons fait. Année sans encore, nous venons pour pire avec un méga programme La Voix des ambassadeurs. Programme ça fait sorti 12 pour arriver 26 juin 2021 sous thème pour proclamer le message du Christ. J'irai un message d'amour, de réconciliation, de foi, de pardon et de salut. C'est un programme tête ensemble, c'est vrai, mais c'est un engagement personnel. Ou t'as voulu participer avec nous? Eh bien, brochez et puis partagez-le. Cet après-midi, sorti 5h30 de 7h, tapez MEODA sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Pas quitter mon vidéo. Depuis 5h30, faites bien, mettez online et profitez de chaque minute spéciale dans le programme.